Ghislain a de grands projets. Assis à sa table de travail, il réfléchit. Ses pensées vagabondent. Sans s'en rendre compte, il s'endort et fait un bien joli rêve. Il se voit marchant dans une verte prairie. Il respire à plein poumon l'air pur d'un soir d'automne. Soudain, un bruit attire son attention. Lentement, il se dirige vers le buisson d'où proviennent des petits gazouillis. Quelle ne fut pas sa surprise de voir ainsi réunis 8 petits oiseaux différents, tous plus jolis les uns que les autres. Prudemment, il s'approche. C'est alors que l'un d'entre eux, confiant, sûr de lui, vient et dit « Bonjour ». Un peu gêné, Ghislain lui rend sa politesse et se présente. « Moi, répond l'oiseau, je suis Laurier, le goéland. Viens que je te présente mes amis. Nous venons tout juste de nous connaître et déjà nous sympathisons. » « Avec plaisir, répond notre rêveur. Voici Sophie, la colombe. Elle parle peu et représente la gentillesse même. Angèle, la mystérieuse jet bleue, toujours souriante, surtout très sociable. Suzanne, la sage tourterelle un peu timide, cache un cœur d'or. À tes côtés, le pinson Michel et Mariette la fauvette, tous les deux un peu lunatiques, mais très sympathiques. Si tu leur adresses la parole, hausse la voix. Ils sont un tantinet dur d'oreille. À ma droite, c'est la douce et délicate Danielle, la chardonneraie. Et notre hirondelle sentimentale, Fleurette, un peu taquine parfois. Entre nous, il faut la surveiller. Il paraît qu'elle aime les feux de papier. En plus, ce qu'elle brûle, elle le garde en souvenir. Et voilà, tu connais maintenant tout le monde. Curieux d'en savoir davantage, et pour mieux les connaître, Ghislain parle avec eux, tente des expériences et partage leur jeu. Comme il est bien avec ce petit monde plein de couleurs. Dring! Dring! Fini le beau rêve, le téléphone. Il reprend vite ses esprits. Mais avant de répondre, il pense, quel beau rêve. J'en ferai un conte pour enfants.